Que les gens, c'est Darking pour une nouvelle vidéo sur Palladium. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis en compagnie de Lucky Games. Salut à toi. Salut. Donc, Lucky Games, il y a des anciens de la chaîne depuis Vanadia, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Vanadia, ouais. Vanadia, ça doit faire 2-3 mois. Du coup, Lucky Games, dans cette vidéo, va m'aider à passer. Dans un premier temps, level 15 mineur. Et s'il y a et s'il y a moyen d'aller level 20, écoute, on va pas se gêner. Donc voilà. Donc en level 20, bon, je pense que vous savez ce qu'on a comme récompense, mais je vais pas vous spoil. Si vous savez pas, bah écoutez, vous allez voir ça en fin de vidéo si j'arrive à être level 20 ou ça va être dans des prochaines vidéos. Bref. En tout cas, juste avant que la vidéo commence, comme d'hab, les gens, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je le dis, je le répète, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la cloche d'activer, donc voilà, n'hésitez pas à l'activer. Bref, on peut commencer la vidéo. Ah oui, le stuff, parce que okay. ça serait quand même un peu... Oui, je l'ai. Dac. Tiens, t'avais ça, ouais. ça. Oui, mon stuff. T'avais ça. Ouais, enfin, je vais mettre ça pour le moment, parce que... Ouais, bon, je vais le garder. Hop, voilà, ça. Ok, donc... Donc là, tu fais une table d'enchantement, level 30, c'est ça? Ouais. Bon, encore là. Deux et puis c'est bon, je crois. Les fois, on va les mettre là. Bah, mets-les où tu veux. Ouais. Mais je les ai mis là, donc regarde, hop, on met 16 breaks dans chacun. Comment t'as fait pour avoir des cobble breakers alors qu'on peut pas crafter les fortunes modifieurs? C'est au level 15, tu vas avoir tu vas les avoir. T'en auras deux level 15. D'accord, ok. Ah, la petite pépite d'indium. Tiens, regarde, je te la mets là pour si tu veux voir. Waouh, trop génial. bientôt j'en aurai peut-être une. On verra. Ouais, bientôt. Tiens. Donc ça, c'est la pierre pour les cobble breakers. Regarde, là t'as pas mal de fer. Là, c'est les particules pour... Là voilà, t'as les blocs de charbon. Ah oui, d'accord. T'as encore plein de fer ici. Puis bah là, un petit don. Tiens. Viens, je les récupère. Oh, du P4. Du palladium. Tiens, et merci. Ça c'est tout le fer qu'on a farmé. Merci. On a fait cœur. Ah oui, d'accord, ok. 23 000 fer, d'accord. Et du coup, les cobble breakers, ils font quoi de spécial? Bah, c'est comme la saison dernière, sauf qu'ils sont moins bien. Ah, yes. Voilà. Et du coup, là, le four, je comprends, j'arrive pas à capter. Donc en fait, dès qu'il y a un stack de près, il faudra qu'on le récupère. D'accord, ok. J'ai oublié un truc à ma base, je reviens. Le mieux, c'est de farmer pendant la nuit, parce que aussi, il n'y a pas beaucoup de monde, et du coup, les fours vont plus vite, c'est ça, un peu. Ouais, c'est là que c'est ce que j'ai fait moi. Yes. Donc tu vois le four en bas? Ouais. Celui-là. Tu vas regarder dedans et tu vas le faire. Tu vas faire un clic droit dessus. Ouais. Vas-y, fais un clic droit sur le fer. Ok. Voilà. Vous avez gagné 624 XP. Ouais, c'est bon. Puis, les fers qui sont dans ton inventaire, tu vas double clic dessus mais avec le clic gauche. Vous avez gagné 624 XP. Ouais, ok, d'accord. Puis bah avec tout le fer que t'as là, bah tu montes level 20. D'accord, mais si je prends directement un stack, bah là si vous avez gagné 1200 XP. Bah à mon avis level 15 ça va pas marcher. Ah, vous avez gagné 0 XP. Ah, faut pas shift en fait. Faut juste le prendre comme ça. Et du coup, maintenant bah ouais, ça monte plutôt vite. Bah oui. En fait, plus t'as de fours en palladium, plus c'est... En vrai non, parce que faut que tu gères tous les fours en même temps, c'est galère. Bah écoute, si t'as du... attends, t'as du bois. Ça je craft. Attends, je me fais une petite pioche. Attends, non, la chance. Hop, ouais. C'est parti, level 30. Et je suis tombé sur efficacité 4, touché de soi 1. Ok, bon bah la chance dans mon cul. Bon bah écoutez, moi personnellement, pour ma vidéo, bah je vais vous reprendre dès qu'on arrive au métier. Allez, au level 15, parce que là, pour le moment, bah du coup, là, maintenant, vous connaissez un peu la technique. Du coup, je vous reprends quand je serai au level 15, c'est-à-dire dans... Allez, dans un jour, deux jours, peut-être, on verra. Non, une heure, deux heures. Ah bon ? Je suis tombé ! Non. Voilà, parfait, c'est bon, les gens. J'ai pris un peu de palladium dans le drawer. Et regardez, j'ai pu me faire beaucoup de fours. Et du coup, maintenant, je vais me faire plein d'XP. Franchement, je suis assez content. Merci en tout cas à Monsieur Neblas, donc alias Lucky Games, de m'avoir fait partager cette technique. Voilà, je sais plus parler. Du coup, je suis déjà à 13 000 XP pour passer du level 10 au level 11. Donc, ça va être juste cool. Donc, voilà. Maintenant, je vous reprends vraiment dès que je suis au level 15. Donc, à tout de suite. Pourquoi toi, tu ne chauffes pas? Ok, donc je vous prends juste, les gars, pour une petite séquence pour vous faire montrer combien d'XP je peux gagner avec les fours en palladium quand bah, tout le fer
est parti. Par contre, ouais, les deux fours ici, genre ils bug à mort. Genre à chaque fois il y a des rollbacks, c'est assez chiant. Allez, pour voir combien. Donc là déjà 1200 XP. Ok, je regarde pas en haut, je prends juste le fer. Tac, tac. 64 XP. Et j'ai gagné 8736 XP. Que je suis sûr, je rajoute encore 2 fours en palladium, voire même 3 fours en palladium, et je peux me faire presque 10 000 XP par fournée, on va dire. Donc c'est plutôt cool, 10 000 XP, je pense. Non, c'est cool. Tac, allez, s'il te plaît, si tu veux bien t'ouvrir, petit four. Hop. Ok, parfait. Du coup, maintenant, médecine mineure. Ah bah, c'est sûr que là, il va monter beaucoup plus vite. Bref, moi, les gens, je vous retrouve dès qu'on est au level 15. Bon, les gens, vous pouvez voir déjà que ça a bien avancé, la base. Donc, Neblaz, il est en train de faire une petite décoration. On va pas piquer des hannetons. Et là, vous allez pouvoir voir normalement si tout se passe bien. Voilà, level 15 mineur, parfait. C'est bon, on est déjà level 15 mineur. C'est déjà pas mal, là. Franchement, je suis passé level 15 mineur en quoi? En combien de temps? Allez, en 20 minutes, vraiment. En 20 minutes, une demi-heure, level 15 mineur. Voilà, les choses vont se compliquer, je pense, un peu. On verra. Ouais. Donc du coup, j'ai gagné un Palladium Hammer et j'ai gagné 2 Cobble Breaker. Donc je mets ça là-dedans. Donc voilà, je suis plutôt content. Maintenant, moi, les gens, je vous retrouve dès que je suis au level... Allez, on va dire level 17. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, je suis bientôt level 17. Et oui, déjà, franchement, ça va super vite. Pour vous dire, là, du level 15 au level 17, ça m'a pris 25 minutes, une demi-heure. Donc bon, ça prend un peu plus de temps maintenant. De plus en plus, on va arriver au level 20. Et de plus en plus, ça va prendre de temps. Mais je pense très clairement que si j'aurais pu tryhard, eh ben, j'aurais quand même pu finir level 20 mineur. Ça aurait pu être très 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 good. Mais c'est pas grave, je terminerai ça demain. Donc là, normalement, avec vous, je devrais pouvoir... Ouais, c'est bon, je prends ça. Et voilà, level 17. Donc voilà, c'est parfait, on est level 17. Bon, maintenant faut juste que je vous reprenne dès qu'on sera level 19. Je pense que je vous prends dès que je serai level 19. Donc voilà, je... Hop, voilà, c'est bon, parfait. Je mets l'Elias de billets là-dedans. Du coup, on est à... Voilà, regardez toute la monnaie. C'est assez exceptionnel. Du coup, je vais mettre ça là-dedans. Du coup, on est à 26 000 blocs de fer. Ok, parfait. Parfait. On va aussi... Ah bah attendez, on est à 36 levels parce que depuis tout à l'heure, je fais que de enchanter un livre. Solidité 3. Alors là, parfait, c'est vraiment nickel. Voilà, donc voilà les livres que j'ai pu avoir. Tranchant 3, protection 4, solidité 3, donc c'est plutôt cool. Maintenant, pour passer level 17, il va falloir que je... Enfin, pour passer level 18, il va falloir que j'ai 116 000 de level. Bon, bah écoutez, on va essayer de les avoir assez rapidement. Je crois que je gagne encore 8 000 XP hein, quand je suis en train de faire ça. Donc attendez, on va voir ça. Hop. Ouais, 8082, donc c'est bon. C'est parfait, écoutez, moi les gens, je vous retrouve dès que je suis level 19. Voilà, level 19, allez, à tout de suite. Bon, ok les gars, souvenez-vous, dans la précédente séquence, j'avais dit que j'allais vous reprendre dès que j'étais level 19. Bon, il s'est passé, je pense, 10 heures, bon après j'ai pas pu jouer. Regardez le Neblaz avec sa pépite d'indium. Et regardez les gars où j'en suis moi. Déjà mini, on peut voir que la barre elle est presque toute remplie. Et regardez, level 19 mineur avec 159 812 XP sur 160 000. On va prendre les derniers... Enfin, on va faire cuire le dernier stack de fer qui va nous permettre d'arriver à 160 000 XP. Franchement, c'est juste énorme. Donc attendez, je vais juste prendre un livre pour tout simplement me faire un petit enchantement level 30. Allez, c'est parti. Bon, 2 matchs 3, c'est pas fou. Pas fou tout ça, donc on va mettre ça ici. Voilà, parfait. Alors là, on est à 28, 29, 30, 32. Je suis sûr que si je le prends maintenant, je peux déjà avoir le level 20. C'est parti. Écoutez. On va attendre. Et putain, c'est trop bien. Genre déjà level 20 mineur, je vais déjà avoir de l'andium dans mon petit Thunder Chest. Franchement, je suis assez content. Après, on essaiera de le métier de farmer dans les prochaines vidéos. Voilà, on va essayer. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On prend. Et on est level 20 mineur. Voilà, super. Regardez-moi cette petite pépite d'andium. Je suis trop content. Ah yes, c'est super, franchement c'est super. Petite pépite d'andium, une pioche, efficacité 4, solidité 5. Donc voilà, on va juste mettre un petit message. Donc voilà, level 20, level 20 mineur, super. Et on va mettre ça dans l'Ender Chest. Hop, parfait, avec la petite pioche. Bon bah nickel maintenant. Du coup bah maintenant il va juste falloir commencer à farm le métier de farmer. Dans cette vidéo je vais essayer d'aller, peut-être au level 5. Au métier de farmer, on verra. Bref, moi je vous retrouve pour la suite de la vidéo les gens. Mais c'est juste super cool.
Ok, parfait, Jean, c'est bon, je suis level 4 avec 400 d'XP sur 2500. Je remercie en tout cas Ankacraft et les membres de ma faction, enfin Lucky Games et tout ça, de m'avoir permis de réussir à être level 4. Donc je suis quand même content là. Ankacraft est venu me donner un peu de blé parce qu'il faut crafter du pain pour pouvoir passer level 5. C'est long quand même, je trouve que c'est assez long. Donc déjà merci Ankacraft déjà de m'avoir donné du pain. Hop, voilà, parfait. Enfin du voilà, vous m'avez compris. Du coup je suis à 600 level 600 level, ouais, 600 XP sur 2500 XP, j'arrive plus à parler. Là il est en train de farmer le métier de mineur. Je vais essayer de faire quelque chose des gens comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Franchement, j'espère qu'on pourra que je vais pouvoir sortir la vidéo cette semaine. Bref. En tout cas les gens, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche des notifications. Ça me ferait juste super plaisir. En route pour les 50 000 abonnés, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait juste super plaisir. Que vous likiez en masse la vidéo, je vous compte sur vous. Partagez la vidéo, commentez la vidéo. Et moi je vous laisse, c'était Dark King. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est parti, le Délupload commence à partir du lundi 24, le Délupload de cet été, des vacances d'été. J'espère le tenir. Normalement, il devrait pas avoir trop de soucis. Enfin, j'espère. Bref, moi, je vous retrouve demain sur Palladium encore une fois. Primaria, ça arrivera après-demain. Bref, je vous laisse. C'était Dark King. Bisous tout le monde.